Ok, tout à l'heure, bisous. La goutte d'eau qui fait déborder l'eau, excusez-moi, hein, désolé. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est que je me pose la question, même à son pire ennemi, je reçois une vidéo de Pamela toute nue en train d'agoniser, en train de mourir aujourd'hui. On m'envoie une vidéo de Pamela en train de mourir, toute nue, comme elle est née, dans mon inbox. Je regarde la vidéo, j'analyse la vidéo. Mon direct est public, pourtant il y a des gens qui partagent. Attends, je vais bien regarder. Non, c'est public, Dana. C'est public. Parce qu'il m'en parle déjà, les publics. Dans mon direct, les publics. Excusez-moi. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est que je reçois une vidéo de Pamela et Vundia en train d'agoniser, toute nue. Ils ont filmé Pamela nue, comme elle est née. Et ils ont pris cette vidéo-là. Ils m'ont envoyé cette vidéo-là. Je me demande qui a pu bien filmer ça? Qui a pu bien filmer Pamela étant nue en train de mourir et distribuer ça dans les réseaux sociaux? Parce que si moi j'ai reçu cette vidéo, c'est que plusieurs abonnés ont reçu cette vidéo. Je prends la vidéo, j'envoie à Dana. Je prends la vidéo, j'envoie à Dana. Mais entre-temps, Dana regarde encore la vidéo, elle me dit, mais c'est là. La manière dont Pamela est habillée là, c'est pas la même chose que Peluche nous a dit le jour qu'on l'a appelée, que Pamela était habillée comment, elle était comment. Parce que Peluche nous a dit le jour qu'on l'a appelée, que Pamela est décédée, elle a dit qu'ils l'ont appelée en caméra, Pamela était nue, on est en train de donner les feuilles et on est en train de mettre le pagne. Et quand on regarde bien cette vidéo, si on analyse bien, si on analyse bien la vidéo, tu sens que c'est une vidéo où quelqu'un était au téléphone et il avait notre téléphone, il filmait l'appel. Comment montrer Pamela nue, en train de mourir. Maintenant, je remercie d'abord Tata Lolo, du fond du cœur. Merci infiniment Lolo, faut dire merci, merci la grande, merci. Parce que j'ai passé du temps au téléphone avec Lolo Fodja. On a analysé Danan, Lolo Fodja et moi certaines vidéos, certains messages de Peluche. Et par la suite, on s'est dit que bon, au lieu qu'on aille sur les réseaux sociaux, j'ai dit à Danan que non. Danan me dit non, Fenella, vu qu'on est au téléphone, on est en conférence, ajoute, est-ce que tu as le numéro de Peluche, Peluche? J'ai dit oui, j'ai son numéro. Elle m'a dit ajoute Peluche, Peluche dans la conversation. Parce que on ne peut pas, même à son pire ennemi, on ne peut pas distribuer sa nudité comme ça là, quelqu'un qui est en train de mourir. Elle est toute nue en train de mourir. Vous distribuez sa vidéo. Je prends mon téléphone, j'ajoute Peluche dans la conversation. Au bout du fil, quelqu'un décroche. Oui, allô, Dana dit, allô Peluche, bonsoir. Non, c'est pas Peluche, c'est ta petite sœur. On dit, oui, tu peux nous passer Peluche là. Non, elle ne peut pas parler, elle est fatiguée, elle ne se sent pas bien et tout et tout. Donc, Dana essaie de relater les faits à la personne qui décroche afin de transmettre le message à Peluche. Mais, je t'ai dit Peluche, parle à la personne qui nous a raccroché au nez. Quand Dana commence à parler à Peluche tranquillement, t'as vu, commence à parler tranquillement, nous on écoute. On était en conférence. Quand on est en conférence sur WhatsApp, on montre bien toutes les personnes qui sont sur WhatsApp. Et je crois que Peluche connaît mon numéro depuis le décès de Pamela. La personne nous raccroche au nez. Non, arrêtez de fatiguer les gens. C'est ça, c'en est trop là. Vous fatiguez Peluche. La personne nous raccroche au nez. La question que je pose ici, je dis, hein, Peluche, est-ce que tu sais que les gens avec qui tu parles au Gabon, ces mêmes personnes, donne des informations.
Tu as dit que tu feras ton direct vendredi. Ma soeur, sois cohérente. On parle de la mort d'un être humain. On parle de la mort de l'enfant de quelqu'un. On parle de la mort d'une compatriote. On parle de la personne que tu as prétendu aimer comme étant meilleure amie, comme étant sœur. Pourquoi tu partages la nudité de Pamela sur les réseaux sociaux aux gens? Quelqu'un est en train de mourir, cette vidéo-là. On voit bien ta main en train de filmer. Je peux te prouver par A plus B. Je peux répondre présente devant les autorités françaises parce que ma chérie, tu as touché où il ne fallait pas. Pamela n'est pas encore sous terre. J'avais décidé de ne pas parler l'histoire là. J'avais décidé de ne pas ouvrir ma bouche. Je me suis dit qu'on termine le décès de Pamela. On enterre Pamela. Après, on va s'asseoir pour parler. Et jusqu'à aujourd'hui, Peluche, tu es franche avec toi-même. Je suis resté poli avec toi. Pour la considération et l'amour que j'ai pour ta petite soeur qui me respecte, qui est ma bonne petite ici à Marseille. Mais je crois que tu veux nous mettre les doigts au cul, mais ça ne passera pas, ma chérie. Tu as vu mes kilos là. Peluche, cette affaire ne restera pas comme ça. J'ose espérer que ton direct du vendredi, tu auras des arguments convaincants. Tu es parti dire à tata Lolo Foja que toute la famille de Pamela est en train de t'accuser que tu as tué Pamela. Le même jour où Pamela meurt, entre-temps, les parents de Pamela n'étaient même pas au courant que Pamela était décédée. Dis-moi quel parent de Pamela qui t'accusait déjà. Dis-moi quel genre de parent, mais dis-moi le nom du parent de Pamela qui t'a appelé. Il m'a quitté même écrit pour dire que non, Peluche, tu as tué Pamela. Tu t'es accusée toute seule, ma chérie. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je te dis que Peluche, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est parce que tout à l'heure, tu nous as raccroché au nez pendant qu'on te demandait des comptes sur une vidéo nue de Pamela en train de mourir. La personne qui t'a appelé. Ok, d'accord. La personne qui t'a appelé, quand Pamela est décédée, tu es la seule personne qu'on a appelée en vidéo pour te montrer comment Pamela est en train de mourir. Cette personne-là a témoigné que c'est toi la seule personne qu'elle a appelée. Et non seulement ça, tu t'es foutu de moi plusieurs fois. Parce que tu m'as juré sur la tête de Pamela devant tata Huguette, devant ta propre petite sœur. On était en caméra, les yeux dans les yeux. Tu m'as juré que tu ne connaissais pas ce papa David, votre je n'appelle même papa pourquoi c'est rigolo, votre traduit praticien en question. Tu m'as juré sur tous les deux de la tête, tu as dit je te jure, sur la tête de Pamela qui est encore dans les glaçons, la mort, que je ne connais pas ce marabout. Tata Huguette est présente. Je peux l'appeler là. Elle est même là dans mon direct. Donc, le jour que tu as juré sur la mémoire de Pamela, et tu as refusé ce jour, tu m'as dit. J'ai été en conférence, je t'ai dit que non, il y a le père de Pamela qui est en train de m'appeler. Ne quitte pas, je mets la conférence, on va parler toi, moi et lui. On se voit au moins yeux dans yeux. Tu m'as dit non, Plo, moi je n'ai pas envie de parler avec les gens et tout, je suis affecté. Tu es affecté plus que le père de quelqu'un qui a perdu son enfant. Merci, mon frère, je te rappelle. Merci. Tu as affecté plus que le père de Pamela. Tu as affecté mieux que la famille de Pamela. Tu as affecté mieux que les amis intimes de Pamela. Les amitiés dernières, là. C'est ça le remerciement que tu envers Pamela. Tu m'as juré sur tous les lieux que tu ne connaissais pas ce marabout. Où en sommes-nous aujourd'hui? Sur Facebook, tu l'appelles Papa David. Il y a des vidéos de toi sur sa page. Tu as même refusé de parler avec le père de ta soi-disant copine que tu as considérée comme sœur. Est-ce qu'on fait ça, Peluche? Jusqu'à preuve de contraire, toi et moi, on parle bien. Mais ma chérie, c'est comme les chinois, tu en riant. Je t'appelle ce soir, on met la conférence pour qu'on te parle de la nudité de Pamela qui se retrouve toute nue sur Facebook, un corps de quelqu'un, une vidéo, elle est en train de mourir. Tu oses me raccrocher au nez. Le monsieur qui a parlé à côté de ton petit frère ose dire, non, fichez-nous le camp, moi je suis fatigué, vous fatiguez Peluche.
Ah bon? Pamela qui est morte, c'est l'enfant du chien. Tu n'as jamais aimé Pamela. Ce sont les Louis Vuitton qui t'a acheté, les voyages, tout ce qu'elle te donnait là. Non. À un moment donné, j'ai voulu te croire. Quand tu pleurais au téléphone devant moi, quand tu t'es affaibli, c'est Dana qui m'a dit que Fenila, faut pas suivre. Ne sois pas naïve. Elle n'a pas mal. Je dis à Tata, il dit non, laisse. Interroge. Tata, il dit non, Fenila, j'ai mon instinct qui me dit que cette fille-là est pour quelque chose, elle connaît le marabout là. J'ai dit, je vais rappeler Peluche. Peluche, allô. Tu peux me jurer ce que tu as de plus au monde que tu ne connais pas ce marabout-là. Tu m'as juré encore que tu ne connais pas ce marabout. J'ai dit à un Peluche, je te demande, pour annonce, tu parles avec tout le monde, mais tu as refusé de parler avec le père de Pamela Evunja. Est-ce que c'est normal? Tu parles avec tout le monde au téléphone, mais le père de ta soi-disant meilleure amie, on te griffe. Tu as refusé de parler avec lui devant témoin. Devant Tata Huguette, devant ta propre petite, devant moi en tant que caméra. J'ai ajouté le père de Pamela Evunja. Tu as dit non, tu n'as pas envie de parler. Et lorsque je découvre que la bonne dame connaissait le marabout, je reviens vers elle par message. Je dis la grande, toi aussi. Je dis la grande, Peluche. Toi aussi. Donc, tu peux, si tu t'es foutu de moi, elle me répondra par la suite que non, je n'ai pas voulu parler parce qu'il y avait des gens. Les gens, c'est qui? On n'était pas assis en conférence. Quoi, tu voulais parler de ça avec moi dans la chambre? Tu voulais parler de ça avec moi ou dans la chambre? Ou bien chez papa David? Ou bien dans la tombe? Excusez-moi. Je te rappelle, je suis Jean direct, s'il te plaît. Bisous. Tu voulais parler de ça avec moi ou dans la chambre? Ou bien au cimetière, mais je ne peux pas d'avis dans son temple. Peluche, tu as vraiment aimé Pamela? Non, tu ne l'as pas aimé. Ce n'est même pas une question à poser. Tu parles avec toutes les blogueuses camerounaises. Tu parles avec tous les amis en commun camerounais que tu avais avec Pamela. Mais tu refuses de parler avec le père de Pamela. Est-ce que c'est normal? J'aimerais que tu me dises, parce que depuis le décès de Pamela, je garde mon calme. Pamela t'a connu hier les amitiés d'Internet. C'est ça le remerciement. C'est ça ton merci qui est là envers Pamela. Tu crois vraiment en deux peluches? Et vous avez osé me raccrocher ce soir, on est en maison que nous arrêtons d'être fatigués, peluches. On en a marre, on est fatigué de ça. Voilà la réponse que vous me donnez devant témoin. Je vais te demander pourquoi la nudité de Pamela se retrouve dehors. Elle est en train de mourir. Pourquoi sa nudité se trouve dehors? Pendant que tu es la seule personne que ce mec-là avait appelé en vidéo pour te montrer comment Pamela était en train d'agoniser toute nue. Tu vas accuser qui? On voit bien que tu as filmé cet appel vidéo-là avec ton téléphone. On voit tes doigts, tes ongles, c'est ce qui t'a trahi. Pourquoi tu peux me prendre pour un imbécile? Tu m'as juré d'abord que tu ne connaissais pas papa David. Et tu as en plus juré sur la mémoire de Pamela ce jour. Tu te rappelles? Est-ce que tu sais que tu as juré ce jour sur la mémoire de Pamela que tu ne connaissais pas papa David? Je te demande comment Pamela est morte. Tu me racontes des histoires à dormir debout? Devant témoins. Tu nous as vu affliger ce jour-là pour le décès de Pamela Evunja. Mais aujourd'hui, Peluche, tu partais à la nudité de Pamela. Est-ce que c'est bien? C'était la seule personne qu'on a appelée en vidéo, que le monsieur avait appelé en vidéo pour te montrer comment Pamela est en train de mourir. Mais toi, de ton côté, tu as pris, tu as enregistré l'appel vidéo, comment Pamela est en train de mourir, toute nue. Et non seulement ça, tu partages ça. Est-ce qu'on fait ça, Peluche? Tu parles de Pamela partout. Tu parles avec Pamela, tu parles avec tout le monde en fait. Tu appelles Tata Lolo, tu appelles toutes les blogueuses camerounaises. Mais la famille de Pamela, je ne sais pas parler avec la famille de Pamela. Le père même de Pamela, je ne sais pas parler avec le père de Pamela. Peluche, tu sais,
je ne veux pas seulement, j'ai beaucoup de respect pour ma petite, qui est ici à Marseille avec moi, qui est ta petite cousine. Je l'aime trop. C'est ma bonne petite, c'est même ma fille. C'est pourquoi depuis, je garde mon silence. Je dis que non, Pamela est encore là. Pour moi, elle est encore là. J'attends qu'elle ira sous terre. Peluche, tu es dangereuse. Je ne vais pas seulement sortir ton djangui. Peluche, tu veux qu'on parle, on parle de l'affaire de ta copine Aïcha, la Camerounaise, qui est morte dans les mêmes conditions que Pamela, il y a 10 ans et quelques années. Tu veux qu'on parle de ça? Peluche, tu n'es même pas maligne, tu sais, je vais te dire quelque chose. C'est parce qu'on ne veut pas parler, on va bien parler. Mais je veux te dire que, arrête de partager la nudité de Pamela en train de mourir sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est toi qui as filmé Pamela en train d'agoniser. C'est toi qui as filmé Pamela en train d'agoniser. Tu nous as raccroché au téléphone, il y avait Lolo Fodja, il y avait Tata Huguette, il y avait moi, on était à 3. Qu'on a découvert, on a pris la décision. Sinon, je n'avais même pas l'intention de faire un direct jusqu'à ce que Pamela soit sous terre. Je me suis dit que ça fait 2 mois même que je devais parler de cette histoire. Que je laisse la justice faire son travail, comme je te l'ai dit, pourtant que non, ne t'agite pas, laisse la justice faire son travail. Ne parle avec personne. Laisse d'abord la justice faire son travail. Au moment où tu as de parler avec le père de Pamela et Vunja, mais ma grande sœur, tu parles avec tout le monde, tous les blogueurs, tu parles avec eux. Mais avec le père de ta 16 ans copine, tu ne parles pas avec lui, tu refuses. Tu as refusé de parler avec lui. Peluche, est-ce qu'on fait ça? Tu as partagé la nudité de Pamela, pourquoi? Elle est en train de mourir. Mais tu partages ça. Est-ce qu'on fait ça? Même à son pire ennemi, on ne fait pas ça. Tu es d'abord nié. Ok, à moi mon invitation. Je vais d'abord nier que tu ne connaissais pas. Ok, c'est bon. Tu ne connaissais pas ce marabout. Peluche, tu es méchante. Juste. Allô. Allô. Oui, Tata Lolo, bonsoir. Bonsoir. Je t'ai dit que laisse l'affaire que tu dis que tu es la sœur de la copine de Pamela, de la petite sœur de Pamela, Sa Majesté. Quand il y a une situation comme ça, il y a les gens qui disent que laisser l'âme de Pamela reposer en paix. Il faut que les Africains arrêtent. Même ici en Europe, quand il y a un mort, quand il y a un meurtre de ces gens-là, tout le monde en parle. Les télévisions en parlent, ça en parle de partout parce qu'on cherche la vérité. Que les gens arrêtent de dire que laisser l'âme de Pamela reposer en paix. Pamela ne reposera pas en paix si on ne retrouve pas son assassin. Il faut arrêter de dire que, oh machin, parce que, et nous ne faisons pas ça pour les vues. Nous n'avons pas besoin de vues. Nous faisons ça parce qu'on a eu des relations avec Pamela quelque part un jour. Donc arrêtez. C'est Peluche qui a publié les vidéos de Pamela sur Facebook. Parce que Peluche, quand j'ai eu Peluche au téléphone hier, Peluche ne m'a jamais dit qu'elle avait parlé avec le fond gangang, son spirit man. Son spirit man, elle ne m'a jamais dit qu'elle avait parlé. Elle m'a dit que c'est le petit qui était avec Pamela qui l'a appelé au téléphone. J'ai dit que Peluche, tu mens. Le petit ne peut pas t'appeler au téléphone parce que le téléphone de Pamela est bloqué. C'est une menteuse. Alors elle a fini par m'avouer que c'est le gangan qui l'a appelé. Que c'est le gangan qui l'a appelé au téléphone. Aujourd'hui, j'ai eu une personne dessus depuis Libreville. Avec le petit, elle m'a menti que le petit garçon là, c'est un drogué qui vend la drogue. Elle ment. Le petit gars là, qui est avec Pamela, c'est un garçon qui travaille en mer. Et comme il devait commencer son travail, il accompagnait Pamela. Elle a menti, c'est parce qu'elle veut qu'on on accuse Pamela que Pamela c'était une droguée ou peut-être que c'est l'overdose. Elle ment. Le petit là n'est pas un drogué. Le petit là, il travaille. Il partait accompagner Pamela. Après, il devait aller en mer. Tu as compris, non, ma petite soeur? Il devait aller en mer. C'est une menteuse. Elle a parlé de drogue parce qu'elle voulait nous envoyer. Donc, elle voulait nous détourner. Comme elle peut-être dit que oui, peut-être comme il s'est un drogué. Oh, peut-être Pamela s'est droguée. Elle ment. Pamela, c'est pas droguée. C'est une menteuse. Donc, c'est ce matin que j'apprends par les oreilles, le canal du petit, que quand que Pamela est tombée, il est arrivé, il a donné les oranges à Pamela. Il est retourné parce que l'appartement où il vivait avec Pamela,
Bon, attends, je réponds au début. Quand ils sont arrivés à Libreville, Pamela, il y avait le monsieur là, le monsieur noir là, le type qu'on appelait le père spirituel de Pamela. Il était déjà à Libreville. C'est lui qui a accueilli Pamela à l'aéroport. Et il a pris, et le petit est aussi à l'aéroport. Et alors, ils sont allés chez le père de Pamela. Ils ont mangé, après ils sont retournés chez la petite soeur de Peluche qui les attendait déjà. Ils ont dormi là-bas. Le lendemain, ils sont allés faire les tests du COVID. Pamela a récupéré ses tests du COVID. Ils sont allés prendre le bateau. Arrivé à Port-Gentil, et le petit Gabin a un appartement. Sa tante habite pas loin de chez le Ngangan. Ils sont allés laisser les affaires de Pamela là-bas. Ils sont allés chez le Ngangan. Et il devait que Pamela a pris il est venu trouver Pamela, elle était très fatiguée. Il a dit à Pamela que tu te sens pas, elle avait les oranges. Et il était prévu qu'il devait aller faire les courses avec le Ngangan. Il est parti, il a acheté les oranges, il est venu donner à Pamela. Pamela dit, prends mes deux téléphones, va mettre en charge. Va mettre en charge, je suis là. Il a demandé à Pamela, ça va? Elle a dit, non, ça va, ça va. Il est reparti, il a mis les téléphones en charge. C'est une petite fille qui vient en courant, qui l'appelle pour dire que Pamela est tombée. Lui, maintenant, il va en courant pour aller secourir Pamela. Il trouve que Pamela est couchée, il commence à faire le bouche à bouche. On réanime oui, Pamela, on réanime Pamela. Pamela nous a expliqué ça au téléphone avec Tata. Il nous a expliqué son appel. Le papa nous a expliqué, il nous a fait le compte rendu de tout ce que tu es en train de dire là. Pour voilà. Et c'est comme ça que, Peluche m'a menti. Peluche m'a menti parce qu'elle m'a dit que l'Ongangan ne l'a pas appelé en vidéo. Mais le petit dit, la seule personne qu'on a appelée en vidéo, c'est Peluche. Donc Peluche a vécu la scène depuis la France. Elle voyait tout. Et quand tu vois les vidéos qu'on a partagées, tu vois que c'est une vidéo qu'on a filmée à partir d'un autre téléphone. Je suis donc, c'est le téléphone. Quel plaisir, ma soeur, de filmer quelqu'un nu en train de mourir, toute nue comme elle est née, et de partager ça. C'est quoi cette cruauté? Je t'ai prouvé ça, non. Je t'ai dit que regarde bien la vidéo. Je t'ai dit ça, regarde bien la vidéo. Tu vois qu'on filmait ça à partir d'un téléphone. Donc, quand elle parlait avec le Ngangan, elle filmait quand Pamela rendait l'âme. Donc, c'est Peluche qui a partagé cette vidéo-là. C'est Peluche qui partage la vidéo nue de Pamela où elle est en train d'agoniser. Ceux qui n'avaient pas la certitude. Oui. C'est Peluche qui a tué. Donc, c'est Peluche est complice de la mort de Pamela. Et Peluche, ce n'est pas une Gabonaise. Je le dis haut et fort. Ah bon. Peluche, c'est une Congolaise. Non, Peluche, c'est une Congolaise. C'est elle-même qui me l'a dit quand elle est arrivée en France. Elle m'a dit, Lolo, moi, je suis Gabonaise de Brazzaville. Elle est Congolaise. Elle est Congolaise, mais elle a grandi au Gabon. C'est une menteuse. Je veux dire, j'étais vomi, Peluche. Tu n'as pas honte. Et à ceux qui disent que nous, on va continuer nos enquêtes jusqu'au bout. On n'a pas laissé Pamela mourir comme ça. C'est ce qui disait que laisser l'âme de Pamela reposer en paix. Son âme ne peut pas reposer en paix tant que les meurtriers de Pamela ne sont pas en prison. Donc, il faut arrêter ça. Nous ne sommes pas ici pour les deux. Ce qui me dépasse, c'est que Peluche m'a dit à moi, devant témoin, devant Tata Huguette, que Pamela ne s'est jamais fait initier. Mais regarde dans la vidéo. Tu as vu cette vidéo-là quand même? Oui, j'ai vu la vidéo, j'ai vu. Les feux qui sortent de la bouche, là, c'est quoi? Mais c'est Pamela, on a donné le poison. On a donné le poison à Pamela. Ce n'est pas quelqu'un qui initie les gens. Peluche est dangereuse. Je demande à tous les followers de Facebook de partager les vidéos, les photos de Peluche partout, partout. Pas de pitié, partagez ça. Interpellez les autorités françaises, partagez. Même si Macron veut parler de ça, tous les blogueurs doivent parler de ça. Tous les blogueurs, donc, parce qu'il faut dénoncer pour interpeller l'autorité gabonaise. Il faut dénoncer Peluche. Ne restez pas indifférent. Ne venez pas nous dire là que, oh, pourquoi on va parler, laisser l'âme de Peluche en paix tranquille. Je ne voulais pas parler de ça. C'était pas quelqu'un qui m'a calmé, qui calme-toi. On va d'abord faire le deuil du premier là. Voilà, tu as la vie. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure là. On nous a raccroché au nez. On partait pour demander juste à Peluche la vidéo. C'est comme la vidéo de Pamela sur tous les réseaux sociaux, tout nu. Ils nous ont raccroché au nez. Peluche, elle ne peut plus parler avec les gens, elle ne peut plus parler avec personne. Donc, je demande à tous les internautes, ivoiriens, gabonais, camerounais, tous les blogueurs, parlez de ça. Nous ne sommes pas ici à la distraction des Congossais du quartier. Oh, les vieux, on s'en fout des vues. Nous sommes là pour dénoncer, pour que justice soit faite. Nous ne voulons pas les histoires que vous venez nous raconter. Et puis on s'en fout des vues. Ma soeur, je t'ai dit que lance le direct. Je partage sur ma page. Je partage partout.
partager massivement que les blogueurs, même si Macron se doit parler de ça, Macron se doit parler de ça, Lolo Boté doit parler de ça, Don Giovanni doit parler de ça, tous les blogueurs, c'est une chose que nous avons perdu, elle était avec nous dans les réseaux sociaux, parmi elle n'était pas une méchante personne, ne venez pas nous distraire, nous ne sommes pas là pour faire le buzz, on peut faire le buzz à tout moment. Pamela n'était pas mon ami, mais Pamela s'est beaucoup confiée à moi. Même ceux qui parlent là, si je veux leur donner ce que Pamela s'est confiée à moi d'eux, ils ne vont pas croire. C'est parce que je ne veux pas parler. Pamela n'était pas mon ami, c'était une petite sœur gabonaise parce que j'ai vécu au Gabon. Le Gabon, c'est mon pays, mon deuxième pays. J'ai encore la famille au Gabon. Donc, je me sens gabonaise quelque part. Donc, passe massivement partager ça. Peluche, on doit arrêter Peluche. Peluche, c'est une dangereuse. Peluche, c'est une sorcière. Peluche, c'est une vampireuse. Elle a tué Pamela. Elle allait chez Pamela. D'après les dits que j'ai appris, Pamela, elle a éloigné tous les amis de Pamela autour d'elle. Elle a éloigné, elle était chez Pamela, elle jouait la grande. Elle ne voulait même plus que le mari, le copain de Pamela ouvre sa bouche. Elle était là pour la possession de la maison de Pamela en Belgique. Elle a détourné l'attention de Pamela. Elle est entrée là, elle fait un lavage de cerveau avec sa gance de gangster, de meurtrier. Peluche, c'est une Congolaise. Peluche, n'est pas gabonaise. C'est le scoop là que j'ai gardé pour vendredi. Mais je ne peux pas, je suis étouffé. J'ai dit que je vais verser ça dehors. Peluche est une Congolaise. Peluche a grandi au Gabon, mais elle n'est pas gabonaise. Et Peluche a d'abord tué une Camerounaise au Gabon qu'on appelle Aïcha. C'est Peluche qui a tué Aïcha au Gabon. C'est Peluche qui a tué Aïcha au Gabon. C'est Peluche. Peluche est une sorcière. Peluche, le sang de la petite Pamela. C'est-à-dire que tu t'amuses avec les galères guinéennes. Tu vas voir ce que sa mère va te faire. Tu n'as pas gagné, le combat continue. Ma majesté, moi, je vais te laisser. On continue le combat. On reste ensemble. On va créer un groupe WhatsApp. Nous allons vous rendre à Bordeaux. Nous irons à Bordeaux. Nous irons à l'ambassade du Gabon parce que ce n'est pas une histoire des Camerounais, ce n'est pas une histoire des Gabonais, c'est une histoire du Sud-Africaine. Je suis prête pour elle. Je ne voulais pas parler de cette histoire. Je voulais enterrer Pamela tranquillement. Oui. Peluche, je te montre que je suis prête pour toi. Je ne voulais pas parler. Je vais faire écouter sur internautes. Parce que j'ai même dormi de la nuit, c'est à 6 heures là que j'essayais de dormir. C'est moi qui suis allé chercher Pamela à l'aéroport. Vous écoutez ou pas? Je n'ai jamais... Nous écoutons très bien, merci. Nous écoutons. Précipitamment. Elle avait un rendez-vous urgent à Port-Gentil. Le rendez-vous urgent là, c'était pour aller chez les féticheurs, les kangas, je ne sais pas. Ils sont allés lui donner du bois sacré ou qu'est-ce qui s'est passé. Jusque-là, on ne sait pas. Le corps est même encore à l'hôpital, à la morgue. Elle est morte hier. Quand elle était dans le coma, et que ça ne va pas, j'ai même envoyé 100 000 au petit là parce qu'ils avaient des problèmes. Et je te dis que je suis dépassé. Elle est venue rester chez une fille à Ovindo qui est soi-disant sa sœur. Or que c'est la fille-là, la grande sœur de la fille depuis la France qui l'a entraînée dans les histoires. Elle est partie se faire tirer, ils l'ont amenée en brousse, manger des bois sacrés ou je ne sais pas, l'iboga. C'est comme ça qu'elle est morte. Si c'est overdose ou si c'est... Ils ont fait quoi? Elle était seule chez Lunganga, elle appelle. Elle est venue de Bruxelles pour aller chez le féticheur. Je te dis que je ne sais pas ce que je peux te dire, ce qui s'est passé chez elle. Donc, tu vois, Peluche, c'est pour te dire qu'il y en a plein comme ça là. Il y a même des endroits où tu parles. Il y a même des endroits où tu parles, Peluche. J'ai voulu laisser l'affaire là d'abord. Et les endroits où tu parles, on a plein comme ça là. Le jour où tu me disais que tu ne connaissais pas ce marabout là, on m'avait déjà envoyé ça. Où tu avais affirmé, tu avais juré, c'est pourquoi tu m'avais insisté sur la question. Que Peluche, tu es sûr que tu ne connais pas ce marabout-là, ce traduit pratique, ce féman-là. Tu m'as dit non sur la tête de Pamela, qui vient de partir, je ne connais pas. Donc maintenant, moi, je veux savoir, ma soeur, vendredi, j'attends ce que tu vas dire. Parce que je suis prête pour toi maintenant. On est prête pour toi. On a voulu bien faire les choses, hein, comme à la coutume, comme les Africains. Ne pas venir mettre ça sur les réseaux sociaux trop agité. On a voulu éteindre, calmer les esprits des gens. Mais quand tu as, dès l'instant où tu as refusé de parler avec le père de Pamela, j'ai trouvé ça bizarre. Même là encore, j'étais accordé le bénéfice du doute en me disant que bon, elle peut être stressée, elle peut être affectée.
On comprend. Mais quand tu me dis que tu vas me parler avec les gens, j'apprends que tu parles avec Tata Lolo Fondja. Tu parles avec toutes les blogueuses camerounaises, tes amis, là, que tu vas en commun avec, avec Pamela. Mais avec le père de Pamela, tu ne veux pas parler avec, avec lui. Explique-moi un peu, est-ce qu'on fait ça à la personne qu'on a, on a prétendu aimer, qu'on a considéré comme la sœur? Et moi, je t'appelle pour bien parler. On t'appelle pour te demander que, ah, ma sœur, vois les vidéos, là, vois les vidéos, Pamela, la gonzante est mourie. Nue comme elle est née. Qui a fait ça? Mais toi, tu fais quoi? Tu me raccroches au nez. On est en France. Ma chérie, on est en France. J'ai été calme. Jusqu'à là, même, je suis calme. Je vais te montrer que je suis une majesté. Tu vas lire l'heure. La mort de Pamela sera vengée. Et je vais te montrer tes propres conversations où tu parles avec Papa David. Je vais prouver à tout le monde comment tu demandes. Attends. Je vais te montrer les conversations où tu demandes à Papa David en question de faire la même chose comme avec Christophe. Et tu feras tout pour qu'il n'aille pas en prison. Je vais te montrer tes propres conversations avec Papa David. Je vais te montrer. Sa Majesté, Sa Majesté, est-ce que tu sais que Pamela Peluche, quand Pamela décède, Peluche veut convaincre le petit Gabin de remettre le téléphone de Pamela au Féman Maraboula. Donc c'était pour cacher. Si, disons Dieu merci. Parce qu'il y a des gens qui disent que oh, pourquoi vous venez parler de ça sur Facebook? L'homme africain est méchant. Quand même autour d'un décès où nous devons être main dans la main pour dénoncer, pour se battre ensemble, pour que justice soit faite comme les Européens font. Quand il y a un assassinat en Europe, tous les Européens sont autour. Quand il y a quelque chose, on dit que les journalistes sont, tu vois, dans toutes les télévisions, on parle de ça. Chez nous, les Africains, on ne doit pas parler, on doit connaître que l'âme de la personne repose en paix. Ça, c'est le mensonge. Donc, on dit que Tata Lolo a saillé l'âme de Pamela. Je n'ai pas saillé l'âme de Pamela. Vous êtes haineux au point où vous oubliez l'essentiel. Mais grâce à nos enquêtes aujourd'hui, parce que Pamela avait un bon cœur. Si Pamela était partie seule à Port-Gentil, si Pamela avait pris la route de Port-Gentil seule, c'est qu'aujourd'hui, on avait dit que Pamela a disparu dans la nature. Pourtant, c'est cette peluche-là qui avait tué Pamela. Elle avait tué Pamela avec ses complices et caché son corps ou jeté son corps à la mer. Mais comme Pamela, c'est une personne qui avait un bon cœur, elle était gentille. Dieu a dit que le crime, s'il ne sera pas parfait, tu iras avec quelqu'un qui va voir ce qui va se passer. Il y aura les traces sur le téléphone. Grâce à Dieu, aujourd'hui, on connaît ça. Je dis, Sa Majesté, moi, je ne suis plus là pour dire que si. Je dis que Peluche est complice du décès de Pamela. Je l'assume. Peluche fait partie là qui ont tué Pamela. Parce que tu le... Peluche, le jour qu'elle m'appelle au téléphone, le jour que je l'appelle sur Messenger, Peluche me dit à moi que Pamela est partie avec beaucoup d'argent au Gabon. Elle me l'a dit devant témoin. Elle m'a dit ceci devant Tata, j'étais au téléphone avec elle. Je lui ai demandé le compte qu'elle m'explique comment Pamela est morte. Parce que je n'ai pas le contact de ses amis Port-Gentillet ou de ce Féman Marabout. J'ai appelé Peluche. Tu comprends un peu, non? Mm-hmm. Parce qu'elle m'a répété, elle m'a dit, tu sais, Fenella, Pamela est partie au Gabon avec beaucoup d'argent. Et non seulement ça, son gars avait fait un virement de 10 000 euros. J'ai dit, je t'écoute. Comment tu sais qu'elle avait tout cet argent? C'est que tu étais en contact permanent avec elle. Tu savais tout ce qu'elle allait faire. Je ne voulais pas parler de ce problème-là, Peluche. C'est parce que tu m'as raccroché au nez. Quand je t'appelle pour te demander pourquoi la nudité de Pamela est en train de mourir, en train d'agoniser, c'est tout sur les réseaux sociaux. Et je parie que je vais traquer le faux profil qui m'a envoyé toutes les vidéos-là. Vous avez voulu me réveiller, non? On va vivre ça ici dehors. La mort de Pamela ne restera pas impunie comme la mort d'Aïcha la Camerounaise, avec qui tu marchais à Port-Gentil. Tu connais Aïcha la Camerounaise, toi qui as fait le Gabon.
Et que quand j'ignore Aïcha, Aïcha mourant, Aïcha est devenue comme ça, comme le bâton. On avait dit que c'est une Gabonaise qui l'avait tué. Donc c'était peluche. Je connais bien, j'ai connu Aïcha. Aïcha, c'est une fille qui avait beaucoup de succès. C'est la fille-là qui l'a tuée. J'ai dit que c'est Peluche qui m'a dit à moi, bon Peluche, comment tu sais que Pamela est partie au Gabon avec beaucoup d'argent alors que tu n'étais pas en contact avec elle quand elle est partie de chez elle, quand tu es partie de chez elle. L'argent, j'ai la certitude que l'argent que le marabout a sur les photos, c'est l'argent que Pamela a envoyé. Et comme Pamela a dit qu'elle ne fait plus confiance à ses parents en Libreville, elle a sûrement envoyé l'argent à Port-Gentil que quand je venais pour faire mon traitement, je vais récupérer une fois mon argent. Et comme ils ont vu qu'elle ne peut pas partir avec l'argent là, ils l'ont tué, ma soeur. Pourquoi on cherche de midi à 14h? Les preuves sont là. Même un petit enquêteur va retrouver l'assassin. Mais parce que, tu sais, si elle m'avait répondu, elle m'avait répondu ce soir poliment. Tu comprends un peu? Elle m'aurait donné des explications par rapport à la vidéo de la mort de Pamela qui se trouve dans certains réseaux là. Je n'aurais pas fait ce direct. C'est ce qui m'a énervé. Et tu le sais, Nathalie Lolo. Je sais. Je te dis que Peluche, je ne veux pas parler. Je suis prête pour toi. Non, nous allons parler samedi, vendredi soir. Je pas toi, la... Qui c'est Peluche? La Majesté. Quand tu appelles Pamela d'abord au Gabon, hein? Quand elle commence à voir que l'affaire de Papa David là est tellement louche. Tu comprends un peu, non? L'erreur que j'ai commise, je m'en veux aujourd'hui. Je ne vais pas rappeler Pamela. Tu m'entends? Mais sinon, hein, à vrai dire, hein, Peluche, il y a une trace que Pamela a laissée sur les auteurs de sa mort que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Écoute ça, Peluche. Fenella, essaie de me rappeler, s'il te plaît. Je vois que tu es en ligne, là, on dirait que tu n'entends pas comment le téléphone sonne. Rappelle-moi, s'il te plaît. Je vois 16 appels manqués de Pamela. Je vois les deux notes là. Fenella, appelle-moi sur WhatsApp parce que je ne te trouve pas sur WhatsApp là. Je ne sais pas comment. Comme j'ai changé de téléphone, s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi elle avait insisté tellement. Mais ma chérie, il y a quelque chose que tu ne connais pas. Hein? Quand elle a commencé à avoir flou avec le papa David là, c'est toi qui l'as appelé pour la convaincre. Mais Pamela n'était pas bête. Ta dernière conversation avec Pamela a été enregistrée. Tu ne connais pas encore ma chérie. Comme tu prends le silence des gens pour une faiblesse, moi je voulais bien parler avec toi ce soir. Devant témoins, on a voulu te demander l'histoire, ce qui se passe. Mais non! Oui, vous fatiguez les gens, vous faites chier les gens. Peluche n'en peut plus. C'est quoi ça? Boum! Raccroché. Ah! Pamela, c'est l'enfant du chien. Je demande, hein, Peluche, Pamela était l'enfant du chien. Alors, il faut lui dire que l'audience de vendredi, elle doit avoir des arguments convaincants. Avec ah non, elle a intérêt, hein, elle a intérêt, parce qu'après vendredi, là, on a déjà... On viendra maintenant sur la place publique, parce que j'ai voulu gérer ça, de famille en famille. On a dit, Dana m'a dit que non, Fenella, calmons-nous d'abord. Mais c'est tout le coup de fil de ce soir, le fait qu'elle nous a raccroché. Elle vous ment d'abord sur sa nationalité. Je te dis que Peluche, c'est une Congolaise. Peluche est du Congo, de Brazzaville. Moi, je te le dis parce que Peluche. On a parlé de le même jour, le lendemain matin de la mort de Pamela. Elle nous a confirmé. Dana a demandé que tu es de quelle province au Gabon. Elle a dit non, je suis de Wellington, je suis de Yem plus précisément. C'est ce qu'elle a dit à Tata Huguette. Ensuite, Dana dit que tu sais, chez nous, hein, on va t'appeler Ndjobi. Dans les yeux comme ça, on était quatre. Elle dit oui, allez-y t'appeler Ndjobi, je ne me reproche de rien. Parce que je ne comprends pas quand elle t'appelle pour te dire que les parents de Pamela sont en train de l'accuser qu'elle a tué Pamela. Mais quel parent qui était au courant? Personne. C'est nous-mêmes qui avons formé le décès du père de Pamela au lendemain matin. Quel parent qui l'a appelé? Elle a commencé à s'auto-accuser elle-même. Comment ta copine peut mourir? Tu filmes ça en vidéo. Comment? C'est ce qui m'a traumatisé. En plus, toute nue comme elle est née. Pourquoi? Pourquoi tant de méchanceté? Est-ce qu'on fait ça? Non, attends, je vais te dire quelque chose.
Quand elle ne savait pas que Pamela devait mourir, Peluche est une femme très mesquine et elle est très dangereuse. Quand elle prend la vidéo, elle est sûre qu'on peut la réanimer. Elle prend cette vidéo pour tenir Pamela au chantage au cas où elle se réveille. Si elle demande un truc à Pamela un jour et que Pamela dit que je n'ai pas, elle va dire je vais publier tes vidéos. C'est qui est arrivé, maman? Tout était calculé. Ou peut-être si Pamela se rend compte que c'était une arnaque, peut-être elle va dire que bon, si tu parles, je vais me balancer ça dehors. Donc maintenant, quand elle filme, c'est après qu'on me dit que Pamela est décédée. C'est là où elle panique. Cette fille est dangereuse. Parce que je t'ai dit que le petit a dit que la seule personne que le gangan a appelée en vidéo WhatsApp, c'est Peluche. Et quand la vidéo sort, regarde bien la vidéo, tu vas voir qu'on filme ça dans notre C'est toi téléphone. qui m'as amené à cette conclusion, c'est quand je zoome bien la vidéo, je vois la main au doigt d'une femme qui a les ongles. Voilà, je t'ai dit que quoi? Je t'ai dit que regarde le doigt, tire bien la vidéo, ce n'est pas une vidéo enregistrée. C'est une vidéo que quelqu'un filme. Je t'ai dit que regarde bien. Donc, c'est Peluche, pendant qu'elle était au téléphone avec le ganga, le faux marabout, elle filmait cette vidéo-là. Elle est dangereuse, cette femme. Elle est dangereuse. Et quand on veut parler pour sensibiliser, vous nous appelez les histoires de vues. Mes chers Africains, mes chers frères, arrêtons cette haine qui n'a pas de sens. Arrêtons cette haine. Vous m'avez demandé que j'étais à Pamela où? Mais papa, faut dire c'est témoin. J'ai fait au moins plus de 6 mois, H24, je parlais de Pamela toutes les nuits. Je sais pas, mais voilà une amie virtuelle qui l'a menée à la mort. Voilà une amie virtuelle qui l'a menée à la mort. Pamela, moi, je m'en veux aujourd'hui parce que j'avais l'autorité sur Pamela parfois. Hein. Quand je parlais à Pamela, je criais sur elle, écoutez. Je dis, mais si, peut-être à l'époque, si je parlais toujours avec elle, peut-être elle m'aurait dit que total, je vais aller en Malabo, au Gabon, faire un truc. Oui, je devais peut-être réussir à la détourner de ça. Donc, c'est ça qui me fait mal aujourd'hui. Vous dites que je n'ai pas rencontré Pamela dans une boîte de nuit. Avant de rencontrer Pamela dans une boîte de nuit, j'avais déjà rencontré à Lübeck, à Bruxelles, au restaurant. On s'est vu tourner 4 fois à Bruxelles. C'est pas tout qu'on met sur Facebook. On s'est Tu vu m'as même tourner dit 4 fois que tu sur l'avais Bruxelles. déposé chez elle. Bien sûr, je l'ai même déposé devant chez elle. Vous racontez même quoi là? Arrêtez souvent. Je ne suis pas là pour les vues. Hein? Vos amis, si vous voulez qu'on parle, c'est parce que je n'ai pas envie de parler. J'ai fait quoi de moi? Je parle parce que je veux que la justice soit faite. Je n'ai jamais enregistré Peluche. J'ai pris les voix que Peluche m'a laissé. J'ai fait écouter parce qu'il y a Peluche que je ne peux pas être ta complice. Elle me dit merci pour le soutien. Quel soutien? Je ne veux pas te soutenir face à la mort de quelqu'un. Une personne avec qui j'ai parlé pendant les nuits. Son mari est témoin, son copain est quelqu'un qui est témoin. Je ne voulais même pas venir sur les réseaux sociaux pour parler à Peluche. Je me suis dit comment Mais... faire? Comme le coutume africain, je vais m'asseoir avec elle, on va parler. Je lui ai dit que Hein? Peluche, voilà. Son copain avec qui je vis, il est témoin, il peut vous dire. J'ai parlé avec lui, il a parlé, dit que, Lolo Fondja, c'est quoi? Va dormir avec ton mari, moi, il m'a dormi avec ma femme, nous sommes là couchés là. Parfois, il ronflait, mais on se moquait de lui, que ben, tu ronfles. Qu'est-ce que vous racontez là? Arrêtez, moi, je ne suis pas comme les amis que quand il y a un palabre, on vient raconter qu'elle avait dit, que je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. J'ai répété ce que Peluche a dit hier. Oh, tu as sali la mémoire de Pamela. Je n'ai jamais sali la mémoire de Pamela. Quand tu as investigation, on parle de tout. On a Moi-même mis les gilets. Peluche, moi-même, excusez-moi, Peluche devant Dana, elle nous a raconté au téléphone toute la vie de Pamela en moins de 5 minutes. Voilà. Je lui dis que, mais tu sais que tu me parles à faire des marabouts là, c'est là, et toi qui découvre ça. Tu as connu Pamela hier, là. Je lui dis que tu penses que Pamela peut venir m'expliquer moi les bêtises des marabouts? Il n'y a que les gens qui aiment ça pour s'entendre comme ça. Et Peluche elle-même, elle viendra dire la vérité. Si elle peut encore la vie, du moment où elle doute même de ne pas connaître papa David, c'est la partie là où je suis quand même parti vers elle poliment en lui disant que, Peluche, tu m'as menti à moi. Le prétexte qu'elle a trouvé, c'était que non, je ne pouvais pas parler, on n'était pas seul, on n'était pas seul. Mais tu parles avec les blogueuses, elle parle avec tout le monde. Elle refuse de parler avec la famille de Peluche, de Pamela. J'ai Peluche. dit que Pamela a un esprit fort, Mélina Akomo. Pamela a un esprit fort. Sinon, il n'y aura pas. J'ai dit que si Pamela était partie à Port-Gentil, seule, aujourd'hui, on devait dire qu'une Camerounaise, une Gabonaise est portée disparue. Parce que Peluche avait fait disparaître son corps dans la mer à Port-Gentil. Dieu est grand que Pamela l'a réussi. Elle a eu l'instinct de partir avec un petit gars, avec Gabin.
Péris est un criminel. Le problème, ce n'est pas Lolo. Ne venez pas distraire les gens dans les réseaux sociaux. Arrêtez de dire, quand vous partez voler, vous êtes des voleurs, vous avez les vies pas glorieuses. Ne venez pas donner des leçons de morale aux gens. Aucun Camerounais n'a une leçon de morale à me donner. Je parle en tant qu'une fille, une Camerounaise qui a les liens avec le Gabon. J'ai des nièces gabonaises. J'ai 5 nièces gabonaises, un neveu gabonais. Non, j'ai 6 nièces gabonaises. Deux neveux gabonais. Pourquoi tu réponds aux commentaires? Oui. Non, pas, je ne parle pas aux commentaires. Les Camerounais, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous devons nous mettre ensemble pour dénoncer Peluche qui allait tuer Pamela en peau gentille au Gabon. C'est de ça qu'il s'agit. Mais Pamela n'avait pas seulement ce côté obscur, il y a aussi le côté humain. On parle d'un humain qui a été tué. Ah ça? On parle d'un humain, d'abord ça peut arriver à tout le monde. On ne se réjouit pas du malheur de l'autre. Hein. Nous tous, autant que nous sommes là, les parents, la famille, les soeurs, les cousines, on ne sait pas ce qu'elles font dans nos secrets. On ne sait même pas qui elles fréquentent, qui sont leurs véritables amis. Mais je vous dis... Mes chers internautes, commencez à partager les photos de Peluche partout. Partagez ces photos, Vous, il faut même mettre là que criminel. Il faut qu'on la... Je dis qu'on doit... comment on dit ça même en français même? On doit persécuter cette fille-là. On doit troubler son sommeil. On doit trouver... Elle doit avoir les nuits blanches. Tant que Pamela est couchée, elle va pas venir parler. Partagez ces photos massivement. Dans tous les groupes, faites persécuter. Parce que c'est cette fille qui a mené Pamela. Elle est arrivée chez Pamela en Belgique. Elle a parlé à Pamela qu'il y a le gangang. Elle a programmé le voyage. Elle était au courant de tout. Elle sait où l'argent de Pamela est. Elle est au courant de tout. Alors, il est temps, on va harceler cette femme-là. J'ai confiance à vous, mes frères et sœurs. Gabonais, Camerounais, Ivoiriens, Congolais, nous sommes une même famille. C'est la fille qui gagne. Ne vous laissez pas distraire par les Congolais du quartier. Une blogueuse, c'est une investigatrice aussi. Voilà la Sœur Majesté aujourd'hui. Elle et moi, on s'appelle, on parle sur WhatsApp parce qu'elle a vu que Tata Lolo est à fond dans cette histoire. Il n'y a pas que elle. Il y a Tata Huguette. Huguette, quelles sont mes petites sœurs? Mon aujourd'hui, elles sont venues vers moi, elles sont entourées, elles sont dans un même combat. C'est ça la fierté de l'Afrique. Nous ne sommes pas seulement pour les histoires inutiles. Je veux te remercier, Sa Majesté, parce que tu as dit, Tata Lolo, je lance un direct. Ensemble, on a dit, lance le direct, nous sommes dans le direct. C'est moi qui ai appelé pour demander des comptes sur une vidéo nulle de Pamela, et c'est moi qu'on raccroche son nez et qu'on crie dessus. Bravo. Je peux avoir un enfant de mon âge. On est en France. J'ai 1m70, 80 kilos. Elle va lire. Je dis qu'ensemble, tu sais comment on était en train, on causait à toi là, comment il y avait l'ambiance. On cherchait, on dit que la vidéo là, comment. Et maman, direct, tu as dit que bon, Huguette a dit que lance l'appel, ajoute par Peluche. On a ajouté Peluche, elle nous a manqué le respect. Tu as dit que merde, comme une panthère du Gabon, tu as tapé la main sur la table. Que Tata Lolo, on lance le direct. Tu as dit lance, j'ai dit que lance. Peluche a dit que Huguette a dit lance, on entend le direct. Allez, partageons, c'est ça la force. Je ne voulais même pas parler de cette histoire là, comme tu as vu depuis. Je suis là, j'observe, je mets mes investigations, je prends certaines preuves, j'envoie au Gabon, j'envoie. Mais je parle avec la Prondine tranquillement, Peluche. Mais Peluche veut se foutre de moi. Ah. Elle a même juré la mémoire de Pamela. Elle m'a dit, je te jure sur la tête de Pamela qui est partie, que ne connais pas ma vie. Elle mentionne mort. Devant témoin, si on était seulement à deux au téléphone, on lui a dit que Fenila est vente. Mais Tata, il fait des choses. Ma petite, je vais te laisser dans ton direct de la Majesté. Je suis là parce que ça déchire déjà. Si tu peux prendre aussi Huguette, c'est bon. Ok, moi, d'accord. Ça marche. Quel appel? Moi, je vais prendre après le live alors. Merci beaucoup. Hein. Ok, d'accord. C'est moi qui te remercie. De rien, ma petite. Donc, je disais tantôt que. Je vais ajouter quelqu'un. C'est qui tout ça? Jean que je ne connais pas, c'est qui? Qui m'envoie l'invitation? La Samy Dacosta, c'est qui? Attends, je crois connaître la petite là, elle était à Port-Gentil, je crois.
Ouais, je crois qu'on est de la petite là. Dana, si tu veux intervenir, tu peux appeler. Dana, si tu peux intervenir, tu peux appeler. Et je ne suis pas là, c'est pas la peine de que les gens m'envoient les invitations là, tout. Non. Donc, je disais tantôt que moi, je ne voulais pas faire ce direct-là. Maintenant, Peluche, j'attends ton direct de vendredi. Moi, je suis prête pour toi. Je suis prête pour toi jusqu'au bout. Dès que tu termines ton direct de vendredi, là, je vais t'écouter attentivement, Frangine. Je ne voulais pas faire ça. Tu comprends un peu, non? Je ne voulais pas. C'est le fait de m'avoir raccroché au nez. Depuis que je parle avec toi, depuis le décès de Pamela, malgré tous les mensonges que tu m'as dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens vers toi et dis que ça, tu m'as menti, ça, tu m'as menti, ça, tu m'as menti. Mais tu as osé me raccrocher, moi, ça m'a laissé la bigance. Une panthère blessée comme moi. Moi, je suis blessée. Je suis blessée où tu me vois là. Je suis mal blessée. Tu veux réveiller le démon qui sommeille en moi? Tu veux réveiller le diable qui sommeille en moi, non? Excusez-moi. Ça doit être ma mère qui m'appelle. Tu veux réveiller le diable qui sommeille en moi, non? Tu vas voir. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Même avant de faire ce direct-là. J'ai appelé quelqu'un qui te connaît. Ta propre petite soeur, mais n'a pas prié, elle est sortie. Ajoute. Ok, d'accord. Ne quittez pas. Hein. Ne quitte pas. Oui, c'est de ta gueule. Vas-y, parle, on t'écoute. Oui, Peluche, je sais que tu es dans le direct, tu as regardé. Je pense que la grande sœur Lolo a déjà fait le point. Mais j'aimerais revenir sur des points essentiels pour te démontrer, ou du moins démontrer à l'opinion publique ta mauvaise foi. Je t'ai confronté le dimanche parce que, jusqu'à preuve du contraire, le samedi qu'on m'a annoncé le décès de Pamela, j'ai essayé d'investiguer pour savoir. C'est-à-dire que c'était sur la base de comment on appelle ça, de la rumeur. Donc j'ai essayé un peu de build le case, essayer de construire le case pour savoir, parce que j'étais choquée d'apprendre que Pamela était au Gabon. J'étais étonnée parce que pour moi, je n'étais pas au courant. La plupart du temps, quand Pamela faisait ses voyages, elle me mettait au courant. Mais c'est vrai que Attends ça d'abord, ne s'est Dana. pas. Vous entendez bien, Dana? Ma chérie, change le techno que tu as. Peut-être c'est ce qui déconne. Dana, parle. Ah, ok. Donc, je me suis rendu compte que tous les points convergeaient dans le sens où tu étais l'instigatrice de la nouvelle du décès de Pamela. Et c'est tout à fait normal, par principe logique, que je puisse savoir pourquoi c'est toi, ou du moins c'est à toi qu'on a annoncé le décès de Pamela. Parce que pour moi, l'éthique voudrait que ce soit la famille, puisqu'elle est quand même morte chez elle. Donc, pour moi, ça aurait été plus logique que ce soit la famille qui soit au courant du décès de Pamela, s'il est vraiment arrivé quelque chose à Pamela. Mais pourquoi c'est Peluche qui est au courant? Parce que pour moi, je suis mis au courant que tu étais au Gabon avec Pamela. Donc, j'ai cherché à te joindre. Donc, je t'ai confronté. Je regrette même pourquoi je n'étais pas enregistrée. Parce que, au fur et à mesure que je suis un peu les interventions de tous les autres blogueurs qui essaient de parler du problème de Pamela, je me rends compte que tu as différentes versions à différents moments et avec différentes personnes. Je t'ai posé des questions qui sont principales. Pourquoi est-ce qu'à toi, on t'a annoncé le décès de Pamela? Tu m'as dit que c'était une amie, que tu étais allée en Belgique, tu avais fait un mois là-bas. Et tout ça, et puis après, bon, tu es rentré chez toi, et puis Pamela, tu n'avais plus vraiment de nouvelles d'elle, devant ta petite sœur Sandrine, si vraiment tu crains Dieu, parce qu'aujourd'hui, qu'il n'y a que toi, moi, Fenella et Sandrine, plus le Dieu des cieux, qui est maintenant notre témoin oculaire. Parce qu'on ne t'a pas enregistré, parce qu'on ne te soupçonnait même pas.
Nous, on a été mis au courant que tu as voyagé avec Pamela. Pamela allait se faire initier quelque part et ça a mal tourné. Bon, on a essayé juste de savoir ce qui s'est passé puisque tu étais cité comme témoin oculaire. Tu nous dis, tu me regardes les yeux dans les yeux. Je te pose la question de savoir que, mais, parce que je me rends compte que tu n'es pas au Gabon. Donc, ça me refroidit. Je me dis, ah, ça sont pas les Congos, ça, l'Internet. On dit que la pauvre fille au Gabon, elle n'est même pas au Gabon. Parce que tu nous as démontré que tu es en France. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, pourquoi ton nom est impliqué? C'est là où tu me dis, tu me dois comprendre que non, ton nom est impliqué parce que Pamela, en fait, avait demandé d'habiter chez toi. Le voyage là, parce que son appartement était en travaux, et de deux, elle ne voulait pas que ses parents sachent qu'elle était au Gabon. Donc toi, tu as seulement voulu lui rendre service parce que tu étais déjà partie chez Pamela. À Bruxelles, tu as eu à passer un bon moment là-bas. Donc tu as voulu lui renvoyer l'ascenseur. Donc ce qui te lie à l'histoire de Pamela et son arrivée au Gabon, c'est tout simplement le logement que tu as eu à donner à Pamela. Et tu vas nous lire, levant ta petite sœur Sandrine, que ta petite sœur qui a logé Pamela n'était non plus au courant de l'arrivée de Pamela qui devait aller rejoindre un féticheur à Port-Gentil, qu'elle n'était pas mise au courant. Pour toi, l'argument principal que Pamela a tenu pour te convaincre de l'héberger chez toi, c'était que quand on faisait les travaux, elle était venue pour continuer ses travaux. Et ça, logiquement, quand tu écoutes, ça make sense. Parce que je savais que Pamela est en train de construire son auberge. Donc moi aussi, automatiquement, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc, c'est sûr qu'elle a profité d'aller faire ses travaux. Et puis peut-être qu'elle est partie à Port-Gentil pour aller parler les problèmes de son ventre. Parce qu'on va aller crescendo. Je vais vous expliquer qui sont la version de elle est partie se faire initier. Dana, continue, j'arrive. Continue. Écoutez, Dana parle, j'arrive. Donc, elle va me dire qu'elle n'était pas, que sa petite soeur aussi n'avait pas été mise au courant. Que Pamela lui a juste dit qu'elle partait à Port-Gentil pour l'obtention, l'acquisition d'un nouveau terrain. Parce que finalement, elle avait décidé aussi d'investir à Port-Gentil. Pénélé et moi, on est là maintenant comme des idiotes. Donc, on est là, on l'écoute. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué chez elle, ce qui m'a vraiment un peu frappé, c'est l'expression faciale. J'ai parlé avec lui, je l'ai vu parce qu'on s'appelait en vidéo, c'est pas en audio, hein. L'expression qu'elle affichait, n'avait aucune compassion pendant que le Fénélé, moi, on avait le visage enfoui. C'est pourquoi je ne peux même pas faire de live. Je suis complètement dégueulasse à voir. C'est comme si c'est moi qui annonçais à Pelou ce que je fais de Panama. Elle était de marbre. Ça m'a interpellé que. C'est moi, elle a vraiment aimé Pamela. Moi, Pamela, je l'ai vue il y a des années. Mais elle était proche de Pamela, juste à Pamela, elle se retrouve dans un problème où elle perd la vie. Celle est comme ça, non, hein, aucune émotion. Donc, elle dit que oui, finalement, Pamela l'avait mise au courant qu'elle devait acheter un terrain à Port-Gentil. Et c'est là où elle va m'informer que Pamela est partie avec beaucoup d'argent, que l'ami de Pamela, Luc, avait fait un virement de 10 000 et quelques euros à Pamela. Sans compter l'argent que Pamela elle-même elle a emmené pour effectivement aller acquérir une nouvelle affaire à Port-Gentil. Je dis donc, tu n'étais pas au courant de son affaire d'initiation ou de quoi? Oh non! Je dis donc, tu ne connais même pas le monsieur chez qui elle est partie. Elle m'a juré, elle dit que, même sur la dépouille de Pamela, hein, ma soeur, tata, parce qu'elle m'appelait Maminou, parce que c'est comme ça que Pamela m'appelait Maminou. Oui, je ne connais pas ça. Je ne me connais pas ça, je n'ai jamais vu le monsieur. Elle a juré. Il n'y a pas de problème. C'est la dernière fois que j'ai eu une conversation, la première et la dernière fois. Quand elle a raccroché, j'ai dit à ma petite de finir là, pour être 35 ans le mois prochain, j'ai vécu. Moi-même, c'est ma propre copine, Michelle Nguema, avec qui j'habitais, à qui j'ai fait confiance, qui a volé ma nudité dans mon téléphone. Quand j'ai vu la fille, j'ai justement qu'on rapproche moi avec, j'ai dit que something is wrong, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on va fouiller. On continuait de fouiller parce que Fenila, elle était en vacances avec Pamela en 2017. Donc elle connaît un peu le sillage de Pamela, les bras droits de Pamela, c'est-à-dire Tanguy. Elle connaît un peu celui qui s'occupe de ses affaires. Et là, Pamela me dit que bon,
au lieu qu'on perde du temps, appelons papa et Boudja, hein, pour... Oh, j'ai oublié la partie principale. Et il a fallu aussi me rappeler. Quand on parlait, on confrontait, comment il s'appelle? Oh, comment il s'appelle? Peluche. Le père de Pamela. On appelait Fenella. Avec Gabin et Alangèle. Donc, au moment où Gabin était pour annoncer le décès de Pamela à son père. Donc, Gabin nous appelle en vidéo. Et c'est là où on envoie le message à Gabin pour dire que mais la fille même, on dit qu'elle est au Gabon, elle n'est pas au Gabon, mais on l'a au téléphone. C'est là où on lui dit que ah, le papa de Pamela est là. Comme c'est toi qu'on a annoncé le décès de Pamela, essaie de parler avec lui. Elle a catégoriquement refusé. Oh non, 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 moi je ne peux pas parler avec lui. Je ne suis pas encore prête à parler avec lui. C'est là où je lui dis que mais ma chérie, je trouve anormal que tu aies eu le réflexe d'annoncer le décès de Pamela au gars camerounais avec qui elle vivait, aux amis jusqu'à s'arriver chez Lolo. Lolo a contacté des gens qui ont dit à Nicolas. Nicolas m'a dit, tout le monde est au courant, sauf la famille biologique de Pamela. Parce que le samedi, même quand on nous annonce le décès, Gabin, on met Gabin au courant, Gabin appelle le père de Pamela. Le père de Pamela dit non. Si les gens disent que Pamela est décédée, c'est faux. Même quand tu m'as dit ça, je dis que c'est faux, il y a 3 jours, je l'ai eu. Voici ce que M. Evunja nous dit le samedi, tardivement quand on l'appelle pour lui annoncer le décès de sa fille. Il y a Gabin, il nous dit, Pamela n'est pas morte. Pamela est venue manger ici avec tes amis. Et elle m'a dit, papa, je suis venue avec une de mes amies qui a un problème de ventre aussi, de France. Donc, je vais aller à Port-Gentil pendant 3 jours pour me faire initier, pour essayer de voir mon problème de ventre parce que je n'arrive pas à accoucher. C'est la version de M. Evunja, Sylvain. C'est ce que le père a dit, que oui, je suis au courant, mais Pamela n'a pas dit à sa mère qu'elle venait ici. C'est pourquoi elle se cache un peu. Donc, si les gens disent qu'elle est morte ou qu'elle ne répond pas à ton téléphone, c'est parce qu'elle m'a dit que papa, quand je vais aller me faire initier pendant 3 jours, je n'aurai pas de joie à répondre au téléphone. Mais quand je vais sortir de mon initiation, soit le dimanche ou le lundi matin, je vais t'appeler et t'envoyer l'argent. Il a dit, il n'y a pas de problème. Donc, lui, le père savait que Pamela allait à Port-Gentil s'initier, mais la version que Pamela a donnée à son père, c'est que Pamela allait pour ses problèmes de ventre. Donc, quand Gabin a dit, quand on a écouté le père parler comme ça, Fenella et moi, on a dit à Gabin que ne force pas, parce que pour le préparer, dormant, comme aussi on n'a pas encore vraiment parlé à la peluche là, Bruno va chercher à rentrer en contact avec peluche, elle va nous dire, parce que nous-mêmes là, on parle de la mort de Pamela, on n'est pas convaincus, c'est pourquoi je n'avais pas repris le poste de Lolo, malgré que, pour moi, j'avais déjà la ferme conviction que Pamela était décédée. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de contacter Pamela toute la journée. Ce téléphone était ouvert. Son messenger passait, mais personne ne me répondait, personne ne me rappelait. C'est là que je me suis convaincue à moi-même que Pamela est décédée. Parce qu'elle ne se comportait jamais comme ça. Le lendemain, donc on a Peluche au téléphone. C'est là où Gabin appelle pour dire « je suis chez le papa ». Et c'est tout à fait logique et normal que elle qui a été mise au courant en premier, qui est l'instigateur de la nouvelle du décès de Pamela, qu'elle confronte la famille. C'est une attitude qui est tout à fait logique et normale. Et en plus, cela émane de la responsabilité morale, la probité morale de quelqu'un. La fille va refuser de confronter la famille de Pamela. Refuser. Je me suis dit que non. Certainement, elle est sous le choc, elle a peur. Déjà que quelqu'un est parti mourir. C'est logique et c'est humain. Ce n'est pas tout le monde qui a la force de pouvoir affronter ce genre de circonstances c'est-à-dire au moment venu. Je me suis dit, elle est certainement effrayée. Pour moi, je l'ai assez un peu discrédité dans le coin parce que le fait qu'on nous avait dit qu'elle était au Gabon et qu'elle n'était plus au Gabon, je dis, faut pas que les gens amènent le nom de la profite. Sauf que... On a même pris sa partie, on met la partie là, où tout le monde, on compatissait pour elle. Sauf que après... Nous, maintenant, on est en contact avec des gens qui connaissent la sœur de la fille. Qui nous disent que, mais, de quoi la peluche là parle? Peluche et sa sœur connaissent très bien le tradit praticien. On commence à dire, mais allez-y sur Facebook. C'est leur propre contact à eux. Ils commencent à nous mettre sur le chemin. Et ce qui a sauvé Pamela, comme disait Lolo, c'est Tanguy.
Si Tanguy n'avait pas suivi Pamela comme c'était le petit homme à tout faire de Pamela, elle, on n'allait jamais savoir que Pamela est décédée. Avec beaucoup plus de réflexion. Parce que elle, Peluche, était en train de dissuader avec insistance le Nganga Misoko de David de récupérer les téléphones de Pamela. C'est comme ça que Tanguy a dit que non, je ne vous donne pas les téléphones de Pamela. Il y a des filles même qui sont là-bas, allées là-bas, où nous sommes les soeurs de Pamela. Parce que j'ai parlé avec la famille tout à l'heure, j'étais avec la tante de Pamela. Vous détruisez les preuves. Leur autre parente, qui est là-bas également, est partie aussi au niveau de la police. Elle est partie constater le décès. Mais Tanguy a même dit devant les agents qu'elle ne connaît pas Pamela. Et c'est normal, il paraît que c'est la soeur de son père, mais qu'elle avait vu Pamela à l'âge de 4 ans. Donc, elle est vie à Port-Gentil depuis. Mais quand il y a eu le décès, la tante de Pamela, Tata Sonia, a appelé leur grande sœur pour dire que l'enfant de papa et vous est déjà décédé, va un peu voir ce qui se passe. Donc, quand elle est partie, elle aussi voulait récupérer le sac et les téléphones de Pamela. Tanguy a dit devant les agents que non, les seules personnes à qui je vais remettre les téléphones de Pamela, là, c'est papa Evunja ou bien maman Vapoutine. Ou je vais remettre à Coucou, la grande sœur de Pamela Métis. Le reste, là, je ne connais pas. Je ne les ai jamais vus. Donc, les téléphones de Pamela sont dans les mains des agents. Depuis quelques jours, je pense que Tanguy aussi a été interpellé au cours de l'arrestation de David. Bref, je n'ai pas de détails là-dedans. Revenons sur les points, le point de Peluche. Donc, moi aussi, je m'informe maintenant par rapport au live que Mikolos fait, par rapport au live que Lolo fait. Et j'essaie aussi de checker dans les bas-fonds. Je me rends compte que, mais pourquoi Peluche, quel est l'intérêt de Peluche de mentir qu'elle ne connaît pas David? C'est la première question que Fenelé et moi, on se pose. Depuis au moins 48 heures qu'on s'est rendu compte que la fille et sa sœur connaissaient David. On est même au courant que sa sœur a effectué le voyage avec Pamela. J'ai dit que, ah, pour nous qui avons aimé Pamela, qui avons profondément aimé Pamela, partagé ses bons et ses mauvais moments, par respect, par décence, parce qu'on parle de la vie humaine, il est souhaitable de l'enterrer. Après enterrer Pamela, là, on pourra maintenant se régler les comptes, parce que Peluche a beaucoup à nous dire. Peluche nous a parlé de beaucoup de choses qui concernent la vie de Pamela, qui concernaient la vie de Pamela en Belgique. Sa vie de tous les jours, son côté obscur, mais ce qu'elle a omis de nous expliquer, parce que nous sommes sur les faits. Pamela est décédée. Pamela est décédée au cours d'une initiation qui a mal tourné. Donc, le préjudice se trouve à ce niveau. Pourquoi Pamela s'en va mourir? Qu'est-ce qui s'est passé? That's the point. Et c'est là où on insiste sur les arguments de Peluche. Peluche doit nous situer parce que toutes les évidences aujourd'hui sont face à elle. Quel a été l'intérêt de Peluche de ne pas nous avouer, si vraiment, en toute âme et conscience, elle ne se reprochait de rien, qu'elle connaissait le marabout ou le charlatan en question. De deux, pourquoi elle n'a pas eu la force et le courage? Parce que ça peut arriver. Ça peut arriver. Je vois beaucoup de gens tenir en jugement l'attitude de Pamela, qu'elle soit allée chez les tradis praticiens. Vous qui êtes bon et juste, restez et ne mourrez pas. Ça peut arriver que quand quelqu'un pleure devant toi, se lamente vis-à-vis d'une situation. Admettons même que ce ne soit pas vraiment pour les enfants, que peut-être la vie de Pamela ne l'osait plus. Elle n'avait plus l'argent ou elle ne pouvait plus maintenir son train de vie. Mais si tu aimes la personne ou tu compatis, tu peux référer la personne. Que, ah, moi je connais quelqu'un qui a fait mon travail telle année, il m'a un peu lavé le corps, il m'a fait le bon maillet, non? Vraiment, c'est un monsieur qui est bien. Je ne sais pas s'il vit encore. Mais va, attends, je vais checker. Ou bien essaie de te renseigner. Il était dans tel quartier, exemple à Bac Aviation. Il était là pour moi, le monsieur l'a traité. Surtout nous qui faisons la vie des Blancs. Moi, chérie, tu pouvais dire ça. Et c'est tout à fait normal. Ce sont des circonstances qui arrivent quotidiennement dans les relations humaines. Et c'est humain même que tu. C'est-à-dire, tu ne savais pas que ça allait se passer comme ça.
Mais la fille a catégoriquement refusé de reconnaître qu'elle connaissait le monsieur. Et elle me voyait même venir vers elle avec pitié. Chaque matin, je l'écrivais les messages. Elle me mentait que non, elle continuait à me mentir qu'elle ne connaissait pas le gars. C'est ce qui me fait mal. Moi, je dis que je ne devais pas parler avant vendredi parce que nous détenons des choses comme Fenella vous a fait écouter tout à l'heure des audios. On est en train de build le case, de reconstruire le case de Pamela. On veut savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire, même sans que Peluche ne parle, nous, on saura ce qui s'est passé parce qu'elle n'est pas, elle est très indélicate, elle n'est pas intelligente et elle ment. Mais elle dit même pour Nganga en train de parler. Elle ne sait même pas ce qu'on détient. Je ne sais pas quel est son intérêt, mais elle, c'est-à-dire qu'elle se comporte elle-même en coupable. Elle va admettre que oui, les parents de Pamela l'ont accusé en entendant. La pauvre Valentine n'a même pas été au courant que sa fille est décédée le samedi à 16h. Monsieur Evunja n'était pas au courant. Pour lui, il avait espoir que Pamela allait revenir le lundi, l'appeler, ou le dimanche, le téléphoner. Mais elle va dans des insinuations, des affirmations gratuites que la famille de Pamela l'a accusée. Why? Pourquoi elle s'est remise en cause? Pourquoi elle a culpabilisé? Elle ne connaît même aucun membre de la famille, aucun des amis d'Internet. Mais non, en la confrontant, pourquoi on la lit à la vidéo? On la lit à la vidéo parce que quand on l'a confrontée, voici la version de Pelou. Je dis que c'est Tanguy qui l'a appelé quand Pamela agonisait et que elle a vu en vidéo, parce qu'ils l'ont appelé en vidéo, elle a vu Pamela agonir, mais que c'était dans le taxi. Voici le détail près qu'elle donne. Elle dit que Pamela agonisait et puis après ils ont mis le pagne sur elle. Mais quand ils sont maintenant, ils ont changé de clinique parce que c'est elle qui nous donne le nom de la première clinique où ils ont amené Pamela pour essayer de la réanimer. Je ne sais même plus. Il y a longtemps, j'ai été au Gabon, j'ai oublié. Mais ce que j'ai retenu, c'est l'hôpital général de Nchengue. Que c'est quand ils sont arrivés à l'hôpital général de Nchengue que la conversation s'est coupée. Sinon, pendant tout le trajet, elle était au téléphone avec Tanguy. Elle nous a même dit comment Pamela était habillée. C'est elle-même qui nous a dit, oh. Je regrette pourquoi je n'ai pas enregistré. Et ce qu'elle nous a dit, c'est retour dans la vidéo où Pamela est nue. Tu comprends un peu, non? Elle a menti, même du taxi, là, elle a menti. Elle a menti. C'est comme ça quand je reçois la vidéo dont Fila m'envoie ça, parce que ça m'a réveillé à 5h du matin. Oui, je t'ai réveillé à 5h. Ça me prenait la tête, je n'arrivais pas à comprendre. Elle me dit que Dana ne dort pas. Le pire est arrivé, quoi. Elle me dit que Dana, la vidéo de Pamela est en train d'agonir. Et tout ça, nu dans les réseaux sociaux. Je dis, tu me parles de quoi? Elle m'envoie ça. Le détail qui me revient, c'est qu'on met le pain sur Pamela. Je dis, oh! Mais ça, c'est similaire un peu à l'histoire que la fille nous a... Parce qu'elle nous a dit que Pamela est tombée nue dans la douche. Voilà. Elle s'est lavée, elle a crié. Maintenant, les gens sont allés la prendre, elle était nue dans la douche et tout. Je dis, mais something is wrong. C'est maintenant en regardant, c'est là où Pena a dit que non. Comme il y a eu un problème de l'étui. Excuse-moi, Dana. Karine, t'en fais parler de conversation. Il y a eu un problème de l'étui. Je voulais d'abord faire le point là-dessus, qu'il ne faut même pas donner un centime au père de Pamela. Il est en train de faire le banditisme, bref. Et je suis revenue. Donc, quand je suis revenue, j'étais en réunion un peu avec la petite tante de Pamela. Bref, on parlait des histoires un peu concernant les obsèques. Et puis. Elle me dit, non, j'ai envoyé la vidéo. Non, Tata Lolo a fait un post. Il faut que je l'appelle. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Elle a appelé Lolo. Et puis, je suis venue la retrouver. C'est là où Lolo me dit que, mais, Tata Huguet, c'est l'autre là qui a fait sortir la vidéo. Parce que quand j'ai parlé à cette fille, et puis tout ça, voici ce qu'elle m'a dit et tout, machin, je dis, mais il y a un problème. Et c'est là où je décide. Je dis, mais écoutez, pour avoir l'esprit rassuré, mettez-la au téléphone. On va la confronter. On n'a pas peur d'elle. On l'appelle. C'est une fille qui répond. Je dis, oui, allô, Peluche, c'est Tata Huguet. Oh non, c'est pas Peluche. Peluche ne veut pas répondre au téléphone. Elle se sent mal et tout. Je dis que, OK. Moi, je l'appelle parce que j'ai tellement de questions à lui poser. Déjà, je me rends compte qu'elle m'a menti. La première fois que je suis parlé avec elle, elle m'a dit qu'elle ne connaissait pas le David en question.
Et puis après, je me rends compte qu'elle est très liée au monsieur, elle et certains membres de sa famille. Là, de deux, il y a la vidéo de Pamela qui circule à des détails près qu'elle-même, elle m'a avoué avoir été en vidéo et avoir vu certaines scènes de Pamela et tout dans ces derniers moments. Je veux comprendre. Donc, ils ne nous ont même pas laissé le temps. Oh, vous commencez à dégager. Vous fatiguez les gens. Vous commencez à fatiguer là. Ils ont rapproché, j'ai dit. Laissez Pérus, je suis en train de parler avec vous. Oh, bougez, bougez, bougez. Boum. Vous nous raccrochez. Fenella a dit qu'elle va lancer le live. Moi, de toutes les façons, il y a un live que je vais faire pour éduquer Pérus. Parce que on a assez parlé. Voilà. Moi, je pensais même que Pérus était une fille responsable. Parce qu'elle nous a fait croire que sa famille se réunissait au niveau de Libreville pour aller confronter la famille de Pamela. Je suis étonnée de savoir que jusqu'à aujourd'hui, aucun membre de la famille de Peluche ne soit allé vers la famille paternelle de Pamela. Toute la... Faut juste savoir qu'il y a une famille quand on connaît leur enfant aussi. Il ne faut pas suivre aussi. Hein. Pour elle, arrive. Elle va bouffer l'onjangui. Donc, je pense qu'on va pousser Peluche à sortir de son anonymat. Je ne sais pas ce qu'elle organise. Venez dire aux gens qu'elle fasse très attention parce que on l'observe. Fenella, tu ne sens rien. Tu ne lui montres aucune conversation parce que. Non, je ne lui montrerai rien. Tout ce qu'on va envoyer, elle ne saura rien. On va prendre ça, c'est avec ça qu'on va porter plainte ici en France. Elle, toutes les preuves formelles. Elle sait qui parle. Nous n'allons pas donner à l'opinion publique l'identité de la personne qui est en train de parler, mais Peluche connaît la voix de la personne-là. Donc, je peux même aller jusqu'à avoir l'audace de dire que sa vie en dépend de ce qu'elle va dire vendredi. Donc, je ne sais pas si la famille de Peluche est témoin. Réunissez-vous. Parlez à Peluche, parce que Peluche, il ne faut pas qu'elle pense qu'on a peur d'elle. On a juste envie d'honorer la mémoire de Pamela, parce que la disparition de Pamela nous accable, on est dévastés. C'est inacceptable qu'elle décède de cette manière. Et en plus, salut, ça met toi, mémoire en diffusion, sa nudité en train d'agoniser. C'est la partie-là. Elle parle de la vie de Pamela, traiter Pamela de crackhead et comment on appelle ça, addict à la cocaïne, parce que c'est ce qu'elle veut venir raconter aux Gabonais. Quand elle est allée jusqu'à affirmer que Pamela n'a pas. David dit, le Nganga, que Pamela n'a pas bu les choses dans le Mbanja. Quand vous voyez Pamela là, avec les femmes qui sont en train de l'attraper là, pourquoi ils ont pris soin d'elle s'ils savent que Pamela n'a rien bu ou rien mangé dans le Mbanja? Et c'est quoi les feux qui sortaient de la bouche là? Puisqu'il y a un autre audio que Nicolas a publié chez lui où on entend le petit Tanguy dire que mais j'ai trouvé Pamela, je lui ai apporté les oranges et Pamela vomissait des feuilles. Peluche, je te dis que tu as fait, il paraît que tu as fait. Ma chérie, le sang que tu as allé toucher là, c'est pas un petit sang. De mauvais sang. Tu comprends ce que je te dis là? Peluche, je vais te faire la sorcellerie, que je vais te montrer que le goût tire sa source là où nous sommes nés. Le plus grand jobu dans Tala. Peluche, tu vas rencontrer, tu as marché là. Je vais te montrer pourquoi 50 ans, une seule province est active sur la tête du pays. Je vais te montrer que c'est les parents de Vunja qui confisquent le pouvoir. Je te dis ça. Tu vas parler. Tu veux te foutre de nous, non? Tu veux te foutre de nous? Je vais appeler toutes les abeilles du Haut-Ogoué. Les frères de Pamela sont remplis dans la garde présidentielle. Tous les hauts postes militaires du pays, c'est nous qui avons. Les finances, le plus gros chobi du Haut-Ogoué dont Tala. On va sortir ça, même si c'est 5 millions de cérémonies qu'on va payer. Peluche, tu vas te préparer. Sans compter Valentine. Je vais te dire ça aujourd'hui. Tu ne connais pas comment Valentine a préparé son enfant en Guinée équatoriale. Tu connais la mère de Pamela? Non, tu l'as déjà vu. Merde, une canaille. Une canaille.
tu es parti où il ne fallait pas. Dana, le comble, c'est qu'elle a continué à me faire croire que ses parents sont allés prendre les affaires de Pamela qui sont chez elle pour aller donner à la famille de Pamela. Entre-temps, sa famille n'a jamais rencontré la famille de Pamela. Bien sûr. Pamela, l'espoir de sa mère. Pamela n'a pas fait l'école. À moins de 30 ans, Pamela a construit les immeubles à sa mère. Pamela s'est mariée jusqu'à son divorce. Elle fait partie des premières Gabonaises que les Blancs ont donné 1 million d'euros. C'est nous. Tu connais Pamela il y a un an. Vraiment, tu as connu Pamela hier. Le 19 mois, elle devait faire 25 ans. J'avais 10 ans. Pamela avait 12 ans. Tu connais Pamela où? Non, les champagnes qui vivaient ensemble là, hein, parce qu'elle connaissait Pamela. C'est rien. Tu connais le premier mari de Pamela, où Pamela était assise. Tu dis que Pamela était dans les fétiches. Pamela avait fétiché son premier mari pour avoir le bonheur qu'elle est née avec son bonheur. Si même elle est allée féticher là, elle est partie féticher avec son corps. Et tu as bien profité de ça. Tu es rentrée chez elle, tu as vu la vie qu'elle menait. Et tu as organisé Pamela. Et tu veux insulter la mémoire de Pamela. Si tu n'es pas dans le maraboutage, comment moi qui suis amie à Pamela pendant plus de 20 ans, les gens ont les téléphones de Pamela, je n'ai pas les conversations de maraboutage avec Pamela. C'est parce que tu es dans ce milieu. Vraiment. Tu es dans ce milieu. Elle pense que Pamela ne peut pas avoir de conversation avec nous. C'est très dangereuse. Et j'avertis à tes parents. Parce que quand les Altoroviens vont se lever, vous allez dire que non, c'est parce que c'est eux qui ont le pays. Mais vous venez non, mais tu vois, on vient de dire qu'elle est congolaise, non? Qui t'activent le pouvoir? Parce que tu es en train de chercher les oncles de Pamela. Tu connais Yamba Chima? Tu sais qui est Pamela Mbunja, la nièce de Yamba Chima, Dieu du Gabon, qui a financé la campagne d'Omar Bongo en 2005. Tu connais qui est Mbunja Pamela? Et tu partais sa nudité. Eh hey Dieu, est-ce qu'on fait ça, sa copine, c'est la partie là. Je suis partie, j'ai des coups de fil à passer. Elle va voir, je te dis qu'elle va marcher à notre rythme. Je vais appeler tous les hauts cadres du Haut-Ogoué. C'est un problème personnel. Elle a affaire à nous à partir d'aujourd'hui. Sa famille, on va les forcer. Comme ils ne veulent pas venir voir les étudiants avec les Ndoulakia et l'intima, nous irons vers eux. Nous irons vers eux. Ah voilà. Tana Lolo, Lolo Fodja a dit qu'elle est congolaise. C'est pas grave. Ok, d'accord. Tout à l'heure. Donc, je pense que j'ai été suffisamment long. Je vais continuer à jouer à ma PlayStation, mais je n'avais pas l'intention de parler. Je voulais respecter la mémoire de Pamela. La preuve, cette peluche là vous dira que moi, je parle avec elle. Je lui pose des questions. Quand j'ai quelque chose qui ne va pas dans ma tête, même au milieu de la nuit, j'envoie un message, je dis, peluche, j'ai une question à te poser. Ça. Elle me répond à son rythme, j'accepte. Mais elle n'aurait pas dû me raccrocher au nez. Ça, jamais. Je suis une majesté. Il ne fallait pas me raccrocher. Je suis une panthère blessée. Je n'ai même pas encore pleuré Pamela, ma chérie. Je n'ai pas encore pleuré Pamela, hein. Tu osais me raccrocher au nez pendant que tu partages les conneries? Ok. Tu vas lire l'heure. On va dormir sur Facebook. Je ne voulais pas mettre ça sur la place publique. Je te tiens, ma chérie. Bonne soirée à tous. Merci infiniment. Tata Lolo, je t'appelle tout à l'heure.